T'as bien ton numéro, non, ouais, une tasse crémeuse coréenne. Arrête, imagine, y'a Gigi qui tombe sur ce que tu dis. Ah merde. Tenez pas le champion, tenez pas. Je sais pas ce qu'il fait le champion. Les gars, je sais pas ce qu'il fait le champion. Putain, mais. Et, mais. Je n'ai pas les mots. C'est ça le nouveau brillard dont tout le monde parle? Je suis vraiment coincé là le temps qu'il arrive. J'ai cul avant qu'elle flash, let's go. C'est le pire champion du jeu ATM, ok ok. Attends mais... Mais on vient de win la game. On vient de win la game minute 1 encore une fois. Mais non. La truffe télescopique. Télescopique. On va guider le jour où on s'affronte. C'est très bien qu'il ne faut pas start topside. Et il ne faut pas pass bot. En vrai, en gros, contre Warwick top, les junglers sont en échec et mat. S'ils pass bot, ils vont vers le Warwick qui va 1v2. Et si ils start top, ils se font tuer niveau 1. Du coup, c'est quoi la solution? Moi, je sais c'est quoi la solution. Et pour un jungler, ce serait quoi la solution? En vrai, il y a plein de solutions. Hein. I can't. Elle est venue juste pour prendre son coup de grip ou je rêve? C'est ça du master? Elle est venue. Attends, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé. Si celle-là tu la perds, tu comprends plus rien. Merci Mazizo pour ta perspicacité. Après, tu connais pas le League of Legends. Hein. Enfin, ça, une game de League of Legends n'est jamais perdue. Hein. Je. Après, là, j'ai l'air d'avoir une vraie team. Ah, attends, son Z fait qu'il a tout attaqué. Attends, j'ai pas compris. C'est un de ses sorts qu'il a. Non. Les gars, c'est un de ses sorts à Briard qui lui a fait venir vers moi. Arrêtez, arrêtez, me dites pas ça. Me dites pas ça, j'ai pété un câble. Elle se self-taunt. Attends, mais c'était pas une blague. Mais non, je suis choc barre. Je me disais, mais pourquoi elle est venue juste pour prendre ton coup de griffe? Non, mais c'est quoi cette prédit là? Mais mes cartes ne lancent pas de prédit. Mais Card, une game free win, il lance une prédit. Relou il a oeil. En vrai, il a oeil, vous allez voir, à partir du niveau 6, même si j'ai trop d'avance et je joue mal, elle me tue. J'ai annulé, bah oui. Encore heureux. Ne fait là. Là, il essaie de blanchir de l'argent. Là, il essaie de blanchir des Walu coins. Eux étaient un peu produlax, hein. Je cache pas. Elle est niveau 3, je suis niveau 5, c'est elle qui me trade. Mais Walou, tu te prends tout. C'est vrai. J'ai rien à dire, c'est vrai, t'as raison. Qu'est-ce qu'elle a à me ping, la princesse? I need to CS. I need to bullet. Non, 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 mais je vais t'attraper. Oh oui! Allez, de moi, vous, Oulette! Oh oui, j'ai Bardinette! Eh, hey, j'ai vu ton tweet. Ton tweet saillon, Bardinette. Ça fait plaisir, ta giga winner Q. Tu mérites, mon ref. Comment tu vas, BG? Bon. Merci énormément pour le ref, arrête, ça fait vraiment plaisir, mon ref. Bardinette me connaît mieux que n'importe quel autre streamer, je pense.
On a tout partagé ensemble. Hein. Ah, tu me manques, mon ref. PPR. C'est quoi PPR? Ah merde, j'ai une rêve que j'ai pas, putain. Bon, il faut que je la tue maintenant. Ouais, ouais, il y a aucun mythique. Il n'y a jamais eu un seul mythique viable sur. Non, mais je connais pas le champion. C'est quand qui fait mal. C'est quand qui fait mal le perso. Je veux bien. Hein. Il y a des très beaux effets. Hein. Il y a des très beaux effets, mais c'est quand qui. Ouh! Putain, j'ai eu chaud. Oh, j'ai pas eu peur karma. Je comprends rien au champ. Oh là là, je te jure. Oh là là. C'est pas quelque chose que je ferais contre toi. Hein. C'est normal comme petit bloc. Ouais, putain, j'ai failli mourir à cause de mon petit bloc. Hein. BOTRK à 7 minutes. Comfort zone. Je crois que je vais jouer carry. Je vais jouer Redemption cette game, mais je dis. Attends, est-ce que j'ai les épaules pour. Ouais, j'ai les épaules pour carry cette game. T'as du mal à écrire playlist parce que j'ai une commande normalement. KCLT. Ouais, et du coup, le fait qu'il n'y ait plus de mythique, ça va être trop fort pour Warwick. Parce qu'il y a. Les mythiques, c'est le pire truc pour mon champion. Trinité. Même si Trinité est le meilleur mythique sur Warwick, c'est suboptimal. Faire genre un cœur gelé en deuxième sera toujours meilleur. Mais bon. C'est pas. On va dire. C'est pas avantagé par Riot. Moi j'ai des idées dites de stuff, genre avec un cœur gelé deuxième, des trucs ultra toxiques. Ah, Rondouin va être up en plus. Il y a tellement de trucs broken que je vais pouvoir faire. BOTRK Rondouin. Oh putain, ça va être incroyable. La wave est en train de bounce. Oh là, elle est niveau 6 quand même. En mode tu joues GP, je te jure. Il va me E là. Si je l'ult, est-ce que j'ai le létal sur lui? Parce que si j'ai pas le létal sur lui, je meurs. Il y a aucun monde où il reset. Je vais tenter, même si c'est pas recommandé. Faut pas que je me prenne le Q. Oh là là, un ange s'est envolé. J'ai auto-attaque le sbire pour pas mourir. Je suis vraiment un troller. Le jour où je touche un skill top de ma vie. Ah la voix le garou, je te jure c'est ma spéciale celle-là. Attends mais il entend ce. Ils remettent des coups de tentacule ou pas? Je comprends rien ce perso. Nance? Je me rapproche? Non ils veulent pas. Oh merde. C'était quoi ce perso? Il m'a mis une ulte Kiana. Il m'a mis une ulte Kiana. Il pull la wave, ok intéressant. Et plus encore! Nom de Dieu! Mais c'est normal que je suis en train de proxy 3 mecs! Ils sont 4 top! Bah oui, ils sont 4 top! La Waludif, putain! Vous allez me voir au KCX, soyez patient, putain. Ils peuvent pas attendre 24 heures. Vous allez les avoir, vos putains de selfies. Ça va, on rigole, une petite boutade. Mais je vous vois comme ça. La vidéo de YouTube est propre, là. OMG. C'est vrai que c'est. Mais j'ai vraiment lancé une solo queue. Bah oui, il y avait des masters en face. Une game quasi full master, donc ouais, je comprends pas. Un kill par minute, on va essayer de garder ce train de vie. Voilà. Le fouet là des pics de fer pue la merde, hein, comme item. Lâchez-le. L'estropure est broken, mais l'item à 1100 là, il est nul. Hein. En tout cas sur Warwick. Hein. Mais même sur les autres champions, je pense que l'item est nul. Hein, que je trouve qu'il fait zéro dégâts. Hein.
Même pour Wave Clear, il sert à rien. T'appuies sur ton champion, ouais, ouais. Non, parce que le build passing de Kestropure, c'est. C'est bah, anti. Tu joues à l'hôtel sur un PC portable, Walou, ou. Pourquoi? Ah, parce qu'on se voit. Ah non, j'habite à Paris. Sur place, hein. Merde. Ouais, mais. Non, mais chaud, ça me dit quelque chose, ce pseudo. C'est pas un mec de l'open tour, lui. Il est en 0-2, il pue la merde au jeu, hein. Bon, on aurait qu'il n'y a pas les mêmes stats, je crois que c'est ça, hein. Tu back? Oh, lui qui veut du drama. Attends, imagine t'es en 18-6 et toi t'es en 0-2, genre. Je te jure, c'est il est monumental. Oh, mais ça va, les gars, je taquine quand je dis ça, tous les joueurs sont forts, c'est moi qui suis nul. Oh, et puis merde, regardez, je suis tellement nul que voilà, je vais rendre le jeu pour vous. J'espère que t'es content, connard d'Hurlevent, là. Mais voilà, mais FF, la game elle est complètement loose maintenant. Walou! Mon frère Walou! Merci Lily Curly. Mon frère Walou! Oh non, il est libre, ça troll. T'as hésité. T'aurais fouet, elle serait morte. Oui, mais j'ai pas le réflexe d'utiliser le fouet. Parce que le fouet il est vraiment dur. Regardez, c'est 20 secondes de cooldown. Et dès que tu l'as, le truc là, ça c'est 15 secondes, mais j'ai l'impression que c'est moins de 15 secondes, je sais pas pourquoi. C'est quoi le ratio en fait? Faut que je l'apprenne, hein. Ability Haste. C'est juste l'Ability Haste qui raccourcit le cooldown de Stridebreaker. T'aurais pris la hache, tu l'aurais tué. Bon, c'est bon, vous arrêtez avec vos tu aurais dû. Bon allez, il faut que je finisse cette game fast. Mais la game elle est complètement lourde en fait. Comment ça je shut down de 500 gold sur Briard qui est en 5-7? Je veux le backseat dans le chat. Mais c'est pas un vrai chat Twitch s'il n'y a pas de backseat, hein. Walou! Mon frère Walou! Ça lui 5 kills, mais je sais pas, mais vraiment j'ai une team de l'eau, hein. Mon frère Walou! Oh non, il est grand, ça troll! Merci Joe. Voilà, ce fort. Putain, mais vas-y, en fait je peux même plus la bully, faut que je me barre, hein. Elle est ultra tanky. Ah oui, mais en fait ça me slow. C'est quoi le call là? Comment je la dive en fait? Ah mais en fait je peux même plus. Oh, ok, en fait je... Il faut que je joue avec mes couilles, quoi. Il faut que j'aille avec mes couilles, hein. Bon, alors oui que ça gagne, il a eu tout dodge le E. Franchement, si tu dodge le E, t'auras pas de problème. T'auras moins d'impôts dans ta vie, ta femme ne va pas te faire cocu. T'auras un bon travail, un bon salaire dans ta vie, si tu dodges le E. Si tu dodges pas le E, t'auras que des problèmes dans ta vie. Ta vie dépend de ce que tu sors de Hilaria, vraiment. C'est pour le conseil, vraiment, vraiment, tu verras. Ta vie, elle change, hein. Il me pète les SK. Tu détruis pas les tentacules d'Eloy et ça me stresse. Pourquoi je les détruis pas les tentacules d'Eloy? Pourquoi? Vous avez pas la réponse, donc je vais vous répondre. Parce que en fait, Warwick n'a pas de boost d'attaque speed sur ses tentacules. Donc tu mets trop de temps. Et pour la bait, exactement. Lui donner plein de tentacules, ça va la mettre en confiance, en mode là mon champion est censé être fort. Du coup en fait les deux, la seconde que tu perds à auto-attaquer les tentacules pour 5 gold je crois, c'est pas rentable. Pourtant c'est de l'argent. Ok. Merde. Il me pète les couilles. Ouh.
C'est chaud. C'est pas censé être aussi chaud. Je vais jamais le reach. Pourquoi je fais genre je peux le reach alors je peux pas. Ouh, c'était chaud, hein. Alors, inquiète. Non, mais pour vous dire à quel point Xayah, ça hard-counter tous les bruiseurs du jeu. Xayah Rakan, ça peut hard-counter tous les bruiseurs du jeu. Salut, Caillou. Comment ça, quelle vidéo? C'est pas un replay, hein. C'est du live, hein. 16 minutes, Malogarou, qui lance une game tous les 3 jours. C'était Malogarou. À bientôt.